Bonjour à tous, le CAC 40 marque une pause ce matin dans les premiers échanges après un début 2013 en trombe hier. Et on démarre avec SFR et Free qui ont envisagé un rapprochement. L'autorité de la concurrence serait en effet opposée à l'idée d'une fusion entre la filiale de Vivendi et celle d'Iliad, d'après BFM Business. En cause notamment le poids du nouvel ensemble sur le marché du mobile et de la DSL. Et puis on suivra aussi Zodiac qui a finalisé l'acquisition de la société américaine IPS. Il s'agit d'un fabricant de générateurs électriques et de convertisseurs pour les avions. Les agences de notation n'ont pas été particulièrement emballées par l'accord validé dans la nuit de mercredi à la Chambre américaine des représentants. Pour Standard & Poor's, cet accord n'aura aucun impact sur la perspective de la note souveraine américaine, même si le risque de récession s'est atténué. Et puis, pas mieux pour Moody's. L'agence estime que si le deal permet des éclaircissements d'un point de vue financier, il n'apporte pas la base suffisante pour une amélioration significative des ratios d'endettement. C'est la fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure à midi.